Tu dois faire un truc un peu Rizéas, genre se choisir un perso pour chaque match-up et dire vas-y, je m'y tiens quoi. Genre je connais le match-up par cœur avec enfin tel perso contre tel perso tout le temps. Et du coup, on va sortir Robin. Darren, c'est mieux. Darren, c'est plus stylé comme nom. Je change le layout et je suis à vous. Darren. Ok. On devrait être bon. Voilà. Donc pour l'instant, petit avantage côté Limpic. Petit gros avantage côté Limpic. Il a fallu trouver ce kill. Directement on a tenté le nerf comme je le visualise souvent. Alors saut. Enfin. Drop down, saut nerf. C'est pas passé malheureusement. C'est que c'est une Xbox un peu bizarre, la Xbox du nerf de Falco. Une fois que tu la connais, c'est vraiment bien. Vraiment bon move. J'en fais une 4, bref. Pour l'instant, il lui est très bon dans son ledge trap. Il se fait pas reverse. C'est bah si. Il est pas allé reprendre le centre du stage assez vite. Il s'est pris un down kill, c'est dommage. Ouf. Bonne idée d'avoir du yay basse. Pour pas se prendre quoi que ce soit ensuite. Pas tant de frame, non, on va mettre le B. Pas de spike. Oh, déjà ils sont bonnes. Hein. Petit flub d'un côté olympique. On a trouvé un pari. Dernière savoir spot. Beaucoup de conversions qui mènent à pas grand chose. Petit bait. Eluya qui va. Il va mettre sa grosse hitbox alors qu'il était en désavantage, c'est passé. En vrai, c'était une situation de cornering, donc il a raison de mettre sa grosse hitbox qui permet de se faire respecter. C'était une bonne option, ça a tué. Passer derrière, on est revu le full up, c'est un peu bizarre côté pique, mais ici on va avoir une très bonne conversion, mais malheureusement on va pas trouver le pair. Tour neutral, beaucoup de sauts, ouais, c'est l'option conditionnement, vous montrez l'adversaire, lol je saute, viens me chercher mon grand full up, en fait vous le punissez sur sa tentative de lui de punition, de read on va dire. Mort ? Non, je pensais qu'il avait son Thoron. Et qu'il aurait pu juste le lancer et puis dire non. Mais bon, pour l'instant, on est retourné sur une game even. Ledge trap, le side B qui. Side B qui est un peu envoyé trop en option de panique. Si il y a le catch ce timing de side B, ça va faire très très mal. Je sais pas le. À quel frame sort le up smash de Robin? Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de up smash en vrai, parce que side B sur le shield. Ici, beaucoup de. Voilà. Beaucoup de drifting de la part de lui, hein, que Olympique n'est pas allé punir. On a attrapé l'épée. Est-ce qu'on va garder l'épée? Ah, quoique, est-ce qu'elle despawn? Putain, mais quel. Ouais, c'est normal. 0-0, one stock match. Qui va pouvoir atterrir grâce aux plateformes, merci beaucoup. Limpic, oh là là, oh ce reverse, il aurait pu être très très dangereux, heureusement. Heureusement, rien de concret ne sortira. Pas mal de gains de neutral prometteurs, mais qui mènent pas à grand chose d'un côté comme de l'autre. On a vu
ce side B, ce feu vers Nosferatu en lecture de Verdon, c'était très sympa. Mais rien de plus, une big situation de ledge trap. On s'est fait bloquer. Aïe aïe aïe, heureusement qu'on a bien réagi. Hein. J'ai entendu quelqu'un soupirer. Soupirer. Ouais, le feu c'était rire. Oh, c'était ok. Une couverture de la part d'Olympique et c'est 1-0. Tiens, du coup, la Smash Con a commencé. Je pense que vu l'heure, ouais. Ouais, ouais, ça a commencé, ok. Voilà. Je vous avais dit que si vous voulez jouer Joker, jouez Joker, et oui, il joue Joker. Il joue Akechi, tiens. Tiens, d'ailleurs, ouais. Je poserai une question après. En tout cas, tic tac tac. Pour l'instant, neutral très patient, très saut, très. Très, 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 il lui a le centre du stage. En même temps, Falco, ça va s'il a pas le centre du stage. Il peut faire des gros flops qui demandent du commit pour être catch comme ça. Donc, il peut conditionner avec ce genre de choses. Tant dommage qu'il ait pas eu son. Je sais pas s'il a. Je crois pas qu'il ait jab. S'il y avait jab, je pense qu'il a. Genre jab lock into a smash. C'est intéressant. Bonne phase. Mais Luya qui va se faire lui-même lui-même prendre une phase. Je sais pas s'il a tech le down air. J'ai pas eu l'impression. Oh, attention. Faut qu'il fasse de Falco. Arsène qui va pas tarder à arriver. Voilà. Le grand frère. Et maintenant, on fait des bacards. Voilà. Et on attend. Ah non, on attend pas. Le pic a. Il n'a pas attendu sur la plateforme pour virer Larsen. Oh, on a pu avoir une extend avec la plateforme, mais c'était ambigu. Là, il aurait pu aussi. On n'était pas sûr non plus. Les gars, les deux joueurs sont bonnes. Il n'y a quasiment aucune grosse phase qui passe, alors qu'il y a des vraies bonnes options neutrales. Enfin, le train gagne de bonne manière. Down air, c'est mixeur, enfin c'est du conditionnement. Anti-approche avec le dash type, ok, sympa. Il est un peu off sur son timing de saut vide. Oh lol, ah mais non. Dommage. En vrai, il voulait le down air. Je pense que le gun suffisait en vrai. Quoique down air, non pas down air, parce qu'il a fait forward air. Bref, c'était bizarre. En vrai, l'idée était très bonne, mais. Il a grid. Attention, oui, c'était commis ce grab. Et attention, parce que c'est Joker avec Pascal. Ok, ça va, on est à la moitié d'Arsène pour l'instant. Le two frame. À chaque coup que Joker se. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il a son saut? Oh! Oh non! Oh non! Ah, pas de bol. Ça arrive, c'est rien. Un partout. On a encore la chance. Le fameux mix-up du jeu. My Smash Bros. Excusez-moi, j'allais prendre de l'eau. Ouais. Non, mais c'est un jeu, je pense. Je vais aller. C'est quoi cette plume? Ouais. Ah non, tu te parles pas? Bon, vas-y, on va. Ouais, c'était moi. Ah bah tiens, Joker clippé, c'est pas 2-0. Non, pour l'instant, il y a un partout, du coup, Chouez. Oh, il y a Chouez. What's up, Yahoo? Yahoo. Yahoo. Ouais, ouais, il lui est parti sur un Joker et qui fait le café. Le vrai main, justement. Trop stylé, sa chic, par contre. Ouais.
il main tout le roster. Bah après il y a, là, il est en dual main. Je vois sur la caméra que le last player est désormais sponsorisé Brescola. Et du coup pour transitionner sur ça, ouais c'est vrai que Iluya il est dual main d'arène chic maintenant. Mais il sort Joker en fonction du matchup. Enfin, c'est un peu genre trial main quoi. Il y a Pocket Kazuya. Ouais bon Kazuya ça c'est plus quand il te manque aberrament de respect. Mais bon là on a Limpic en face, genre okay. Top 1 Brestois après Tony donc. Quand Tony est pas là c'est le top 1 Brestois. Du coup ouais faut bien respecter et du coup on sort les persos un peu top tier avec un peu de force. Surtout que derrière Falco, en vrai genre Falco tu vois. Alors je sais pas trop comment décrire le matchup, c'est très marrant. Bah faut respect mais en même temps genre prend la sauce en désavantage. Faut pas se faire zoner quoi. Et puis ouais en désavantage Falco il prend giga la sauce quoi. Et surtout que Joker qui est un des meilleurs avantages du jeu clairement. Mais après il lui OK il joue 40 000 persos mais il sait quel perso il doit jouer genre pour gagner tu vois. Ouais quand il joue pour la gagne, il va pas sortir d'arène. Il va pas te sortir ZSS. Bah il peut sortir d'arène. Mais genre que en game check game 2 tu vois. Bien vu ça le Let's Rub Me Too Patient, c'est Bakker qui va prendre la première stack. Ah, il essaie de flex. Non, bien vu la direct, c'est du laser. Et... Ouais, il utilise bien le IA et le IA qui passe en dessous du reflecteur, ça c'est un plaisir, mais derrière le smash à top speed. Aucun respect, tu vois. Il a sorti Ridley la semaine dernière, ouais, mais contre qui? Contre qui? Contre Sagi. Donc en vrai, tu vois, quand c'est des gros. Enfin, pour lui, hein, parce que bon. Oh, bien vu ça, la patience du smash, dommage ça, le Bakker. Je veux dire, quand il voit qu'il est dans la merde, il va prendre ses vrais persos. Ou alors c'est vraiment qu'il troll quoi. Mais là, je pense pas qu'il troll, il prend le Joker. Quand il est dans la merde, vraiment, qu'il est. Contre le mur, il prend soit Chic, soit le Joker. Tout Joker. Sa Chic, elle a trop de sauce par contre. Genre, autant son Joker, ouais. C'est vraiment bait and punish. En vrai, à regarder, c'est marrant. À regarder, c'est très drôle, c'est bait and punish. Il campe pas forcément. Enfin. Affronter, t'es en mode, oh, encore un coup safe. Mais je m'y attendais vraiment pas à ça. Du coup, bah j'imagine que je vais te faire foutre. Ah, ça c'est le B, le fameux up B. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Bah non, non, mais ouais. C'est vrai que le up smash, quand un adversaire te cross up, c'est super fort. Bien vu la tech. Bien vu la tech, il y avait peut-être le contre à faire là, mais je pense qu'il a pas eu le temps avec la recovery d'Arsène. Peut-être un gun, tu vois. Gun, non, t'aurais pas le temps. Contre, en vrai, c'est super fort. Ouais, bien sûr. Non, oh, bien vu ça le mix-up de la part de l'Olympic. Ouais. Il a anglais ce. Oh! Perso de merde! Non mais Joker tu gagnes avec. Ah tu tapes au ledge contre mon Joker. Ce qui dit chou. Ouais. Non, en vrai c'était bien joué de sa part. comment ça s'appelle ouais, Anorexic is you. Joker le ficello trop rigolo. Ouais. Le tir trop rigolo. Goussel. Joker demi-sel. Ouais. Tu sais Joker doux c'est Joker overdoux c'est chic. Attention, ouais, les extents de plateforme chez Limpic qui sont très très forts. Oh, dommage ça. Non, mais Joker en fait, c'est genre chic, mais quand t'as payé toutes ces bonnes mécaniques, tu vois. Bah, oui et non. Parce que autant chic, il n'y a pas. Le needle, c'est très différent du gun, on va dire. Genre, ça stall, ok, mais vite fait. Genre, le gun, c'est vraiment un outil d'approche, de neutral. Oui, justement, c'est une amélioration, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais après, le side B. Ouais, en fait, putain, t'as raison. Le side B au final. Oh, dommage ça, le forwarder. Non, mais le Joker c'est une amélioration de chic. Après, ça se joue pas pareil, ça va pas de la même façon. Pendant ce temps, Ilu a pris la troisième. Le Il y a 2-1 là. Ouais, il y a 2-1 pour Ilu. C'est vrai qu'il y avait 2-1 moi aussi. Non, c'est mais... comme il faut ouais. La game 2-1 déjà pour tout là. Non, il y a 2-1 maintenant. Ouais, j'allais mettre un score de plus, je suis là, il y a 3-1 frère. Ouais, non, mais. BO7. Il y a eu. Ouais, n'importe ouais, quoi. Ouais, non, mais le. T'as ta Overexcent, non t'as... Bah, il a fait le Dancing. Il a fait Dancing. Bah, je sais pas, mais normalement, mon Dancing type Vision, tu vois. Ah ouais chaud. Dans quoi Vision aussi. Merci, grand frère. Merci, Brescola, de sponsoriser ce live. Non, c'est fou. Arsène le grand frère. Tu veux changer de musique, c'est bien. Arsène, parce que la game, c'est Joker qui stall. À un moment donné, t'as Arsène qui fait. Je suis là, le mec qui peut m'ouvrir. Il se ramène à l'improviste en soirée. Falco en désavantage. Oh, j'ai trop de vivre un peu. Après, moi en désavantage contre Falco. Oh, j'ai trop de vivre un peu. Quoi, Link en désavantage contre Falco. Bah après, ouais, c'est vrai que Link, il a pas forcément des options, des burst options. Genre, en mode, alors, le désavantage de Link pour gagner, ça consiste à faire une bombe. Pour se remettre en désavantage de l'autre côté de la map. Putain. Parce qu'on part sur la game, la game 4, alors attention PS2. Parce que Joker game 4, souvent les main Joker en game 4 on connaît hein. Nah, the tipiting is crazy. Ouais.
Ouais, ouais, un Evo est si vite arrivé, c'est totalement faux, évidemment. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que Linpick va se réveiller également, parce que bah, c'est vrai que Iluia là, il est. C'est vrai qu'il joue pas mal. Iluia il joue pas mal en vrai, il arrive, à... oh, il arrive bien à cover le. La langue de pute ultime que je suis. Le mec il veut du mal, ouais bien vu ça. Bakker, pas mal ça. Ah dommage, ah voilà le grappin qui fait de la merde. Vous savez le grappin de Joker c'est un peu comme la Rico de Peach. Vous savez en fait quand vous faites dans la mauvaise direction la Rico, bah vous êtes baisé en fait. Oh le smash. Ah tu landes dans des A. Ah bâtard t'as land contre Arsène. Ouais c'est ça, bien vu ça, il aurait pu avoir un jablock. Savage. Ouais, le mec fait autant de dégâts que Kazuya. Bien vu ça dash attack. Kazuya rêve d'un avantage pareil. Oui, non, mais Kazuya avec l'avantage de Joker, c'est le meilleur perso du jeu. Ah oh, putain, dommage, ça a pas. Il s'est pris la Wicked Box du gun et du coup, il a pas été. Bien vu ça. Il a pas été. Comment dire. Ouais, c'est bien ça, ça cover bien. C'est vrai que c'est super fort Joker contre Falco en Edgeguard. Genre, c'est tellement simple parce que, ouais, pour Edgeguard, bah Joker de manière générale pour Edgeguard, ouais, et surtout contre Falco, bien vu ça, le mix-up avec le. Et tu fais, ah tiens, et si j'appelle mon grand frère. Ouais, et soit bien tu prends un petit peu de risque. Si je vais Edgeguard. Je vais être hyper greedy, je vais faire un backer, les amis. Alors en plus, ça. En plus, en soi, quand tu connais, quand tu sais ce que ton adversaire va faire, tu peux pas edgeguard Joker. Parce que si tu vas l'attaquer, il a le Rebels Guard. Ouais. Et derrière, il peut mix Abrico, et ça, c'était pas mal de la part de Diluia. Et ouais, du coup, bah, on est réduit à sa dernière stock côté Olympique. Peut-être la dernière stock du set. Peut-être. Avant d'arriver en GF. Peut-être que Olympique peut remonter. Peut-être. Ouais, c'est ça. Le mec il a main roy dans une vie intérieure. Oh, ouais, non, ah dommage. Là j'ai la petite qui connecte pas totalement, bien vu le freak trap. On a, voulu cover peut-être un side B. Oh le double. Oh le jablock. Le jablock prenait le set. Le jablock gagnait là. Ouais. Ah. Mais pourquoi jablock quand t'as le down tilt? Le down tilt qui connecte pas, peut-être dash attack en vrai pour cover l'angle. Derrière, ouais bien vu ça, le shield contre le forward air de Falco qui a. Oh il a voulu la champ. Il a voulu la champ, il va se faire baiser. Il va le reverse ? Non, il va se faire. Oh, alors peut-être. En 2022 ? Non, faut arrêter de s'habiller. Linpick, il arrive bien encore. Il a jamais tué avec. Ouais. Hein. Oh, le tilt. Oh, oh non, mais... frérot, il veut pas mourir. Plot armor, Linpick, be like. Non, mais la plot armor là. Oh ! Oh ! Frérot. Alors peut-être. Alors faut qu'on parle de quelque chose. Faut que tu fasses. Parce que là, c'est Linpick format de remontada, peut-être. Faut qu'il fasse très très attention. Oh, le backer, putain, qui passe pas un pixel près. Le regard. Tilt. Oh oui, oh, le Lash Trump qui passera pas malheureusement. Derrière, on essaie de cross-up, mais c'est bien le up smash. C'était inévitable. Qui va prendre ce set. Ouais, le up smash. Qui dit précédemment, ouais, c'est vrai que c'est super fort quand tu te fais cross-up avec un up shield. Genre, certains persos, tu peux juste. Alors, t'as Pikachu, il fait un backer, tu fais ah bon. Non, tu peux pas parce que Pikachu c'est un multi-hit. Bah oui, mais tu le profile.